Nous en étions... Ah oui, dans le manoir du riche. Dans le manoir du riche, on n'a pas encore combattu. Je me suis un peu renseigné sur le net, mais alors j'arrive pas à avoir de résultats clairs sur les stats. Apparemment, en mobilité, il conseille d'aller à 3 et c'est tout. La mise en abîme. Ah, on verra bien. Hop, un petit QWERTY. Et ma foi, c'est reparti. Oh, un cambion. Did I mess up again? Yet another obstacle. Yeah. Yeah. Ah, t'es ridicule, je t'adore. Je peux pas te charger par contre. Le cambion est motivé, ouais. Ah bah voilà. S'il possède 3 rangs ou plus de mobilité, il reçoit un bonus esquive à la serre de plus 3 lorsqu'il combat sur la défensive. C'est un one shot que t'as vu? Pas tout à fait. Ce que t'as vu, c'est Monarque qui mord le cambion pour 11 de dégâts. Et ensuite, Scylla qui inflige 10 points de dégâts. Ça a l'air très très puissant le combat monté. Même si elle a bugué et que ses armes sont pas sorties. Surrender or else. Ah, j'ai aussi vérifié évidemment, hein, Wolf. Effectivement, pardon. Wolf, il lui faut des dagues. Sinon on perd un gros malus. Un gros bonus. Qu'est-ce que c'est ça? La vérole grise? Comment ça t'as chopé la vérole grise? Pardon? Incubation un jour, fréquence d'une fois par jour. Ok, cool. Ah, encore un truc que je pourrais régler avec la non-mort. T'as traîné où pour choper ça? Je crois que je me suis fait agresser par un mob et que c'est lui qui me l'a chopé. Enfin, qui me l'a donné. Il y a des mobs comme. Il y a des démons qui transmettent des maladies. Cover me, all right? De soupe à l'oignon. Ah. Cocorico! Alors, nénénénia, ok.
Oui. Ah, la charge. Les tours, on laisse le cambion courir, il va aller trop loin, c'est parfait. À mon tour. Coup critique pour 12. Cimetière de maître, petit de maître, de l'argent, plein d'argent. Sur la nature du divin. Hop. La recherche de la joie, confession d'un hérétique. On va les prendre les bouquins. J'ai bon espoir de pouvoir faire une bibliothèque à un moment. La croisade à travers les yeux du commun des mortels. De Tullius Mara. Les aventures d'un croisé intrépide. Il est très fan des croisades. Hein. Salut Giano, tu vas bien? Mémoire d'une prêtresse itinérante. Les contes d'Avistan. Mieux dormi. Un peu mieux. Merci beaucoup. On n'est pas retombé sur des bouquins avec des compétences pour le moment. Parchemin d'anathème, qu'est-ce que ça fait ça? Cible ressent une vive terreur. Oh cool. Les ombres d'Absalom. Ok, et un millier de révolutions. Des gens qui peuvent avoir une pièce entière pour une bibliothèque. Ah. En vrai. Tu prends tout ça, t'enlèves cette table là et tu mets cette table de stream là. Ou quelque chose du genre. Tu pourrais aussi. Le truc c'est que moi je vis dans l'équivalent de cette pièce là. Dire tout mon appartement est sûrement moins grand que ça d'ailleurs. Quoique. Je sais pas, pour vous ça fait. C'est quoi, c'est 56 mètres carrés? Ça fait 56 mètres carrés pour vous ça? Elle semble grand. Il me semble grand ton appart quand même. Bah. Là où j'ai du mal à me repérer, c'est au niveau du nombre de pièces. Ouais, si, c'est clairement plus grand que 56 mètres carrés ça. Donc la pièce est plus grande. Écoute, j'ai pas le compas dans l'œil. Ce qui est quand même beaucoup plus pratique. Ok, on en a deux. Cambion et cambion. Ah.
Ah, il est pas mort. Mais t'es pas mort. Stab you or zap you? Why not both? Ah, j'ai mis ce clic. My bad. Désolé, Tizen. Tu vas sûrement prendre un coup. Tiens. Mets-toi derrière, plutôt. Oh, monsieur, c'est quoi, c'est un cimetière? Ça a l'air. Trop bien, ce mode. Ah, il est tellement cool. Ah, c'est génial. Ça l'a mis un peu ébréché. Attends, il y a des reflets dans les vitres. Together, we stand. Oh, c'est trop cool. You can trust me. The spirits guide. C'est pas... merde, comment ça s'appelle déjà cette technologie de reflets et d'effets de lumière? C'est pas du ray tracing, quoi, ou des trucs comme ça, mais... c'est vachement chouette. ...60% sur les coffres. Ah, c'est du 100% si on travaille bien. Yes, une chemise. Une robe argentée. Plus 1 au jet de sauvegarde contre les effets de peur. Ah, oh, c'est dommage, ça change pas les... ça change pas la couleur de l'armure, en fait. Ça a pas l'air. Bracelet de l'exorciste vertueux. Oh, on peut changer ça aussi. Cool. Ah oui, c'est vrai que j'ai le chapeau normalement. Couteau de cristal violet, j'avais oublié que j'avais ramassé ça. Cette dague plus 1 ajoute plus 1 au DD de jet de sauvegarde contre les sorts du porteur de l'école d'évocation. Ok. Salut Big! C'est bien, t'anticipes ma question. Ça va bien, écoute. Ça va toujours sur Pathfinder. Alors, bon, ça c'est pas idéal. T'es bien en combat défensif, toi. Tout va bien. Ah merde, tout va pas bien, on peut pas charger. Tant pis. On y va à l'attaque classique. Ah, il y en a un deuxième.
Monarque réussit le jet de sauvegarde. Yes. The spirits demand your blood. Ah oui, et mon mon perso à la vérole. Ce sont des choses qui arrivent. Hier, j'ai un peu regardé ton stream sans être connecté 5 minutes. Je peux pas les jeux d'horaire. Ouais, non, je comprends tout à fait. Ça. Il est pas mal. Là, ce soir, on le termine. Si on a le temps, on commencera Stasis. Qui est beaucoup plus... beaucoup moins jumpscare, beaucoup plus doux, je trouve. Mais très oppressant. C'est un point and click pour le coup. Et ils ont fait un bon boulot sur l'ambiance. L'armure de Monarque a tenu. Excellent. Combien tu lui as fait? Un point de dégâts? Pas mal. Don't hold back. You won't survive me. Distract them for me. Bien joué, Wolge. Essence magique. Produit de la distillation minutieuse de composants magiques rares, la substance précieuse et onéreuse est très recherchée par les artisans et les magiciens qui souhaitent créer des objets magiques. Oh, une grande salle. Un gros combat? Nah, un combat, c'est tout. Fanatique de Descari et de Baphomet. Les deux. C'est parfait. J'économise mes sorts. Si on peut éviter de se reposer, ce serait bien. Oui! Ok, ils sont un peu plus costauds que les autres. Tiens, je t'avais pas vu, toi. Time to share your treasures! Dégâts après réduction. Surrender or else. Pourquoi après réduction? Ah, t'as une reste de 10 au froid. Ah, je peux pas t'attaquer à l'acide parce que t'as une résistance. Je peux pas t'attaquer au froid parce que t'as une résistance. Je peux pas t'attaquer au feu parce que j'ai pas de sort de feu. Je suis un mage contraint d'attaquer à l'arbalète.
too late for apologies. Into the fray! Cover me, all right? Stab you or zap you? Why not both? You should have run. Les carreaux explosifs. Follow if you dare. Ah, allez, il y a bien une armure à prendre quelque part là-dessus. Il y en a tellement partout. Un tueur fanatique. Oh. Cible étudiée rapide. Personnage étudie un adversaire présent dans son champ de vision par une action de mouvement. Gagne ensuite un bonus de plus 1 au jet d'attaque et des dégâts contre des armes à son encontre. Oh, c'est cool. Et tu ressembles à quoi, monsieur? Mais elle est trop cool, son armure. J'avais pas fait gaffe que t'avais des bracelets roses. I'll hit you. The Inheritor, guide my blade. Il est un peu plus costaud. Make every strike count. Yes. Pas moyen d'avoir les deux. Non. Douze, quatorze, dommage. Meurs. Voilà. Distract them for me. On va se garder l'espace d'une charge. Pourquoi tu peux marcher aussi peu au fait? You won't stop us. Tag et cloque, bam! Une charge en pleine chambre. Alors, Cucri de maître. Potion de soins modérés, je crois que c'est la première qu'on récupère. I do what I must. Derrière le tableau, on trouve un parchemin de déplacement, un parchemin de guérison des maladies et un parchemin de peau de pierre.
Est-ce qu'on veut tenter de se soigner de la vérole grise? C'est un jet de vigueur. On a combien en vigueur? On a plus 3. Plus 3 sur combien? C'est constitution, d'accord. Donc ça va. 1 des 6 points d'affaiblissement temporaire de force. Est-ce que c'est vraiment un problème? Pas vraiment. Non, on va garder la vérole. Comme ça, quand on sera une liche, on pourra dire « Et mon corps est marqué par la maladie. » Ou des conneries du genre. I'm gone. C'est bon. On va dire que on est devenu liche pour échapper à cette condition absolument affreuse. C'est le seul moyen de se guérir qu'on avait, etc. Et pas du tout par un pas personnel ou par gain personnel ou envie de pouvoir. Non, non, on n'est pas pourri jusqu'à la moelle. On est juste une liche parce qu'on n'a pas eu le choix, bien sûr. Mais le parchemin de guérison. Joli plan de com. Ouais, voilà. C'est cher les parchemins de guérison? Je sais même pas, tiens. C'est un peu cher. C'est clairement pas le plus cher, mais c'est un peu cher. Disons que la moindre pièce d'or, bah c'est de l'or. Il y a un piège derrière. S'il y a un truc qu'on a énormément actuellement, pardon, c'est les potions de soins. Donc on peut prendre des dégâts. Time to share your treasures. Le salaud, il est invisible. L'âne, du coup, on a utilisé ces deux actions pour faire un... Alors, je crois que ça s'appelle... Voilà, le 5 pieds.
En gros, ça te permet de te mettre hors de portée de, d'attaque. Mais c'est qui meurt en plus? Il meurt pour de vrai? Y. Voilà, comme ça j'arrêterai de. Où sont tes attaques? Griffe et morsure. Ouais, il meurt! Salaud! Merde! Tu échec du jet de sauvegarde. Donc c'est bien réflexe pour la boue, enfin pour la graisse. Mais attends, moi on m'avait dit de monter la mobilité. Mais est-ce que ça a vraiment un intérêt pour ça? Ouais, non, ça a pas l'air. Oh. Excusez-moi, donnez-moi 2 minutes.
C'est bon, pardon. Donc, on disait qu'il faut que j'augmente mes réflexes. Lorsque vous subissez une attaque magique ou inhabituelle, vous pouvez effectuer un jet de sauvegarde pour essayer de l'annuler. Votre modificateur de dextérité est ajouté au jet de réflexe. Donc il faut que j'augmente ma dex. Pour augmenter ma dex, il faut que je diminue mon armure. Ou que je monte mes stats. Là en l'occurrence, si je diminue l'armure, ça change absolument rien. C'est ça. C'est tout nul. C'est tout nul. Ok, bon. The spirits demand your blood. Oups. Trop grande résistance à la magie. C'est utile l'armure magique que je viens de mettre à... Non, pas du tout. Ok, cool. Ça c'est vraiment la partie un peu compliquée du jeu que tu dois... Que t'apprends et... qui est à peu près aussi grosse que le livre de base. Tous les bonus, effets, les interactions entre les différents statuts, etc., etc. You won't survive me. Mais au moins, il y a l'armure qui brille un peu. Voilà, c'est mignon. J'y vais pratiquement. Au moins, ouais, voilà, tu risques pas d'oublier. C'est déjà ça. On va te coller un arc, toi, après. Ou un truc que tu peux lancer. Pour les moments où j'ai pas envie de te risquer au corps à corps. Là, c'est pareil, tu vas pas pouvoir lancer. Ah, si! Yeah, il est à terre. Tabassez-le. Endure this. Stab you or zap you? Why not both? C'est trop génial. Tout danger est écarté, il est maintenant temps d'avertir Orgus. Depuis la fenêtre, j'ai pas lu le reste, mais oui, on doit lui faire un signe. Don't mind me. Alors, et donc on disait, le truc qu'on a en quantité assez conséquente, c'est les popos. Si on fait pas des jets trop pourris.
Ah, il y a une horloge. C'est trop cool. C'est bon. I am helpful, am I not? Un arc court non identifié. Un bijou contrefait de Darek Solemartel. 250. Arc court du code. Bonus de plus 1 au jet d'attaque contre les créatures chaotiques. Oh! Qui peut l'utiliser? Parfait. Le manoir est vide et vous êtes en vie. Excellent travail. Oui, t'inquiète pas, on l'a bien vidé le manoir. Ma porte secrète n'a pas été ouverte. Fabuleux, je suis arrivé à temps. Des secrets de famille vont être révélés comme c'est excitant. Ouais! Où ça? Remarque une porte secrète. C'est celle-là comme porte hein, qu'on a remarqué. Bien joué. Bien joué, Elsbeth. Les tableaux sont exactement où je les avais laissés, c'est parfait. Orgus vous remercie de votre aide. Réussite de test de perception. Quelque chose vous dérange sur les tableaux devant vous. Le garçon aux cheveux blonds qui porte les couleurs de Gwern ne ressemble pas le moins du monde à Orgus. En outre, le portrait de famille représentant Orgus aux côtés d'une demi-elfe que vous ne connaissez pas, et d'une petite fille qui en revanche vous évoque très fortement Camélia. Qui sont les personnes sur ces tableaux? Ah, vous avez l'œil. Bien, inutile de vous cacher la vérité plus longtemps. J'ai deux secrets, voyez-vous. D'une part, Camélia est ma fille. Et d'autre part, je ne suis pas le véritable Orgus Gwern. À l'assaut! Vous n'êtes pas Gwern? Mon véritable nom est Darian Witt. Mes parents étaient au service des vrais Gwern. Nos maîtres étaient nobles, généreux et tout aussi inconséquents. Pardon. Ils ont dilapidé la majeure partie de leur fortune en faveur de bonnes œuvres, alors même qu'ils auraient dû veiller à la sécurité de leur maisonnée. Quand j'avais 10 ans, je jouais souvent dans le jardin avec le vrai Gwern. Nous avions exactement le même âge. Un jour, les démons ont surgi de nulle part. Orgus a couru se réfugier dans la maison et je suis parti dans la direction opposée. Ils l'ont débusqué et ils l'ont tué, mais moi j'ai réussi à leur échapper. Lorsque les croisés ont accouru de la ville la plus proche pour nous aider, j'étais le dernier encore en vie. Alors, quand ils m'ont demandé mon nom, je me suis fait passer pour Orgus Gwern. Voilà toute l'histoire. Quel récit déchirant, vraiment. J'en ai à chaque fois les larmes aux yeux. Tu n'es certainement pas en position de me juger, Camélia. Orgus serre les poings, mais sa voix paraît plus lasse que colérique. Vous avez raison, c'était malvenu. Alors, ce que vous avez fait est amoral, les gens méritent de connaître la vérité. Votre passé vous regarde, ce ne sont pas mes affaires. En vrai, ça c'est davantage lié à mon personnage. Et je suis mauvais de demander de l'argent. Pas dispo. Il n'est pas facile de replonger dans les erreurs de l'enfance.
J'ai peine à parler ouvertement de ces secrets que j'ai gardés toutes ces années. Cela peut paraître étrange, mais j'en ai été prisonnier toute ma vie. Camélia est votre fille ? Ma fille légitime, pour être exact. Elle vit dans ce manoir depuis sa naissance. Le personnel pensait qu'elle était ma nièce, ou la fille d'un ami tué lors des croisades. Je n'ai jamais réfuté leurs spéculations. Sa mère, Iris, était une demi-elfe d'extraction modeste. Elle travaillait ici dans les jardins. Je voulais unir la famille Gwern et une autre lignée noble, voyez-vous. Il aurait été impensable de souiller l'honneur familial avec une mésalliance. Iris n'a pas protesté et nous avons réussi à cacher notre relation. Quand Camélia est née, je ne l'ai donc pas reconnue. Aux yeux du Mendev, elle est la fille d'un serviteur de la famille Gwen qui est décédé il y a plus de 10 ans. En vrai, c'est pas nos oignons dans tous les cas. Ça dépend. Là, tu parles d'une famille qui a de la puissance sur un point de vue social. Donc, ça fait partie de la vie de la cité. Et avant que vous m'accusiez d'être un père indigne, je tiens à préciser que Camélia n'a jamais manqué de rien. J'ai toujours veillé à combler ses moindres désirs, j'ai engagé les meilleurs précepteurs et je suis acheté les meilleurs livres. Elle a été bien nourrie et bien vêtue. N'est-ce pas cela le rôle d'un père ? Mais mon personnage, lui, il s'en fout royalement. Vous avez découvert notre secret le plus terrible, je le crains. Ah ! Père secret occupe tant du nom des Gwern qui m'a élevé dans notre manoir en me cachant au reste du monde. Je lui serai toujours reconnaissant pour ce qu'il a fait, même si la société de Mendev désapprouve certaines de ses décisions. Serait-il impoli de ma part de vous supplier de rester discrète à ce sujet ? Non, je m'en fous, moi. Je vais garder votre secret. Je vous prie d'accepter mes plus humbles remerciements, ainsi que cette bourse de 4500 pièces d'or. Ah, merci Camélia. Auguste adresse un regard méfiant à la jeune fille, mais reste silencieux, voilà. Qu'allez-vous faire à présent? Pour commencer, je vais vous récompenser dûment pour votre aide. Ensuite, je brûlerai ces portraits. Je les conserve par sentimentalisme depuis trop longtemps, mais ils ne me sont d'aucune utilité. Ma demeure est ravagée, elle va devenir les proies des pierres de tout Akabi, et cette salle secrète finira par être découverte. Je ne veux pas que ce tableau soit remarqué. Je vois, j'ai le OK, c'est génial. En tout cas, vous avez bien mérité votre salaire. Tenez, ce fut un plaisir de faire affaire avec vous. 1000 PO. Tu crois pas que du coup ça vaut un peu plus maintenant ? Aider à mettre le feu si besoin. Camélia, je sais que tu as apprécié tes combats contre les démons en si bonne compagnie, je lis sur ton visage. Je ne te demanderai qu'une chose, es-tu bien sûr de toi ? Elle ne répond pas, mais un demi-sourire s'attarde sur ses lèvres. En ce cas, il est évident que je ne peux plus te protéger. Notre demeure est détruite, nos serviteurs ont disparu ou péri. Pour l'heure, suivez-moi, nous devons nous assurer que personne d'autre ne découvre les secrets d'Orgus Gwern. Une cuirasse plus 1, ok, c'est pas cool. Voilà qui est fait, merci de votre aide, adieu et veillez bien sur Camélia. Bon bah voilà, c'est nickel. C'est Camélia que tu veux pas garder, c'est ça? C'est Camélia qui est le membre le moins essentiel de l'équipe, ouais.
Même si pour le moment, le seul remplaçant qu'on ait actuellement, c'est une magicienne. Et du coup, ça vaut le coup de la garder actuellement. Tu voulais pas? Oui, un piège. Trouvé ça débile, les gens qui mettaient des pièges à l'entrée de leur chambre, jusqu'à ce qu'un de mes anciens collègues me dise que lui il avait miné sa porte d'entrée. Avec une grenade à plâtre. Voilà. Je trouve toujours ça débile, mais au moins c'est réaliste. Je sais que ça se fait pour de vrai maintenant. On va aller vérifier qu'on n'a rien oublié quand même. Genre ça. C'est bon. Distract them from me. Go for their hearts. The Inheritor, guide my blade. Dommage quand même, on venait de se soigner. Chargé par hasard. Ouais, si c'est ça, c'est parce que t'es intermédiaire. Mais tu portes rien. Oh cool! Haha, level up! Alors, ensorceleur, oui! Touk!
Appel des pierres. Alors attends, moi je sais ce que je... Contrôle mineur des morts-vivants. création de fosse, voilà, c'est ça que je veux. Le personnage crée une fosse extra-dimensionnelle d'une profondeur de 10 pieds, soit 3 mètres, par tranche de 2 niveaux du lanceur de sort. Maximum de 9 mètres. Comme la fosse s'étend dans une autre dimension, elle ne pèse rien et ne déplace pas les matériaux qui se trouvent en dessous. Le personnage peut aussi bien en ouvrir une sur le pont d'un bateau que sur le sol d'un donjon ou d'une forêt. Toute créature de taille grande ou inférieure qui se trouve dans la zone où la fosse apparaît doit réussir un jet de réflexe pour bondir vers l'espace dégagé le plus proche. De plus, les bords pentus amènent toute créature terminant son tour sur une case adjacente à la fosse à réussir un jet de réflexe avec un bonus de plus 2 afin d'éviter de glisser au fond. Donc c'est cool. Il y a plein de trucs cool. C'est quoi le contrôle des morts-vivants? C'est tu prends le contrôle des morts-vivants. Littéralement. Personnage peut contraindre toute créature morte vivante à combattre à ses côtés en tant qu'allié. Elle se bat en usant de toutes ses capacités. Cependant, les créatures intelligentes tenteront de lutter contre le contrôle en effectuant un jet de volonté à chaque round. Ouais, c'est super limité et pour l'instant, c'est pas ce qui nous intéresse. Non. Non, non, aucun mort-vivant pour le moment. Alors, j'ai noté un truc cette nuit sur la mobilité. Je regarde ça.